C'est dans cette résidence pour personnes âgées que s'est installée SOS Médecins. Au rez-de-chaussée, dans ce cabinet, l'association propose depuis début janvier aux habitants de Louvres et des villes alentours des consultations les week-ends et les jours fériés sur rendez-vous. Ça fait plus de 10 ans maintenant que le volontariat est de mise pour la garde médicale. Il n'y a plus une obligation déontologique d'être présent pour le médecin traitant, en plus de son activité classique, être présent la nuit et le week-end. Et donc il y a un vrai manque. Et les patients sont souvent en désarroi quand le vendredi soir arrive, que le week-end arrive, et il n'y a plus de possibilité avant le lundi matin de trouver une réponse médicale dans le secteur. Dès le premier week-end de consultation, la demande s'est fait sentir avec une quarantaine de patients pris en charge. En réalité, l'association fait son retour sur le secteur. Il y a une quinzaine d'années, elle y assurait des visites. Mais ne pouvant plus répondre à la demande, l'association a décidé de restreindre sa surface de couverture. SOS Médecins existe depuis 30 ans dans le Val-d'Oise. Historiquement, on ne faisait que des visites à domicile. L'objectif de la création d'SOS Médecins, c'était de remplacer les médecins traitants absents évidemment la nuit et le week-end. Et la démographie médicale étant en difficulté, on a créé ces consultations pour répondre à la demande des patients qui ont besoin de voir un médecin généraliste avec un degré d'urgence plus ou moins relative. SOS Médecins compte aujourd'hui 3 centres de consultation dans le Val-d'Oise, à Louvres donc, Saint-Ouen-l'Aumône et Saint-Leu-la-Forêt. Et bientôt un quatrième à Beson. Ici, l'association espère rapidement élargir les consultations les soirées en semaine, puis à terme 7 jours sur 7 si la demande est présente. Seule chose qui pourrait freiner, l'effectif. SOS Médecins Val-d'Oise compte une quarantaine de médecins libéraux. L'association évoque un manque d'au moins une dizaine de généralistes.